Aujourd'hui, il faut que les Noirs apprennent à défendre leurs intérêts. C'est-à-dire qu'il ne faut plus qu'on soit là, que quelques individus nous imposent leur vision en disant « Ouais, ouais, on fait de Kadhafi l'ennemi de l'Occident. Ah, les Noirs, les Africains doivent s'aligner comme des « i hein, » tout simplement derrière pour dire « Oui, oui, Kadhafi est notre ennemi. » Non, non, c'est terminé. Cette époque doit être révolue. La jeunesse africaine doit comprendre maintenant qu'elle n'a pas à traiter. Nous ne sommes pas dans un monde de saints ni de méchants. Chacun essaie de survivre. Chacun essaie de survivre. Les mêmes qui disent aux Africains, attention, ne traitez pas avec la Chine parce que la Chine ne respecte pas les droits de l'homme, les droits des Tibétains. Ben eux, ils traitent avec la Chine. La France est allée même jusqu'à conclure en 2009 un accord avec la Chine sur le dos des Africains pour partager le butin que la Chine aura remporté sur le terrain africain, sur notre dos. Donc aujourd'hui, peu importe, si Ahmadi Nejad, considéré comme un méchant, comme un terroriste par les Occidentaux, dans sa démarche, nous montre qu'un pays a besoin de nucléaire, qu'un pays a besoin d'instruments de défense pour pouvoir se développer, mais ne me demandez pas à moi de m'opposer à cet homme-là, parce que l'Occident trouve que c'est son ennemi. Non. Donc aujourd'hui, les Africains doivent apprendre à lire le monde dans sa réalité. Les Africains ne doivent plus être là à suivre leur maître, tout simplement parce que, bon, nous, on nous a appris à ne pas raisonner par nous-mêmes. À ne pas raisonner par nous-mêmes. Depuis des milliers, depuis des années, depuis la chute de l'Égypte antique d'ailleurs, on nous a appris à ne pas raisonner par nous-mêmes. C'est terminé, cette époque doit être révolue. Voilà. Ce n'est pas parce que l'Occident considère que Hugo Chavez est un dictateur que les Noirs doivent le considérer ainsi. Non. Nous devons voir clairement et nettement ce qu'il y a à prendre et ce qu'il y a à rejeter. Voilà. Donc aujourd'hui, la question est claire. Pour moi, cette opinion peut ne pas être partagée. Voilà, parce que bon, voilà, on sait que vis-à-vis de la société occidentale, Kadhafi peut être considéré comme un dictateur, comme un tyran, comme un terroriste. Bon, il a dit que bon, on a dit qu'il avait commis des attentats. Bon, lui-même, il avait payé, il avait fait un certain nombre de choses, montrant qu'il est responsable de ces attentats. Bon, moi, voilà, ça ne me regarde pas. Je le dis comme ça. Ça peut paraître inhumain, mais ça ne me regarde pas. Voilà, c'est-à-dire que du point de vue de la société occidentale, bon, ça c'est. Il peut considérer Kadhafi comme leur dictateur, comme leur ennemi, mais il n'est pas mon ennemi à moi. Voilà, tout simplement parce que la colonisation ne nous a même pas laissé le temps d'apprécier entre le bon et le mauvais. C'est que nous sommes en face des choix qui sont extrêmement difficiles, qui sont des choix qui se résument simplement au pire et au moins mauvais. Voilà, c'est qu'on a ce choix-là à faire. On a le pire et le moins mauvais. Moi, je pense que nous avons le choix entre le pire et le moins mauvais. Parce que la politique internationale, elle ne se fait pas sur des sentiments, tout le monde le sait, sauf les Africains, qui pensent que voilà, il faut être amis, il faut s'embrasser pour pouvoir défendre nos intérêts. Non, non, non. Voilà. Les Africains doivent savoir lire l'environnement international. La morale n'a rien à voir ici. La morale n'a rien à voir. C'est la morale qui a conduit l'Égypte antique à la déchéance. C'est la morale, c'est la marque, cette façon que les Africains ont de voir le monde, de façon religieuse, spirituelle, puritaniste, le puritanisme africain, bon enfant, le sentimentalisme, bon voilà, ça doit cesser. Parce que nous sommes dans un monde réel où chacun essaie de survivre. Voilà, où chacun essaie de survivre. Et donc, je condamne et je m'oppose fermement. Bon, même si aujourd'hui les conséquences sont déjà réalisées, à cette agression de la Libye, tout simplement parce que je ne peux pas permettre que le loup soit à deux pas de ma maison. Voilà. Pour, ne serait-ce que pour ces raisons-là, je vous condamne cette agression militaire. Parce qu'il y a des Africains qui nous disent « Oh, vous soutenez Kadhafi, il y a beaucoup d'Africains qui soutiennent Kadhafi, mais vous oubliez que c'est un Arabe, vous oubliez que les Arabes nous ont esclavagisés, donc voilà, les Arabes ils sont racistes, ils ne veulent pas de nous, etc. Donc pas question de le soutenir. » Je dis « Oui, d'accord.
Mais ne serait-ce que pour des raisons géographiques, hein, ne serait-ce que pour des raisons géographiques, je condamne. Je ne peux pas accepter que l'OTAN, hein, que l'influence de l'Occident s'accroisse à deux pas de l'Afrique noire. À supposer que, bon, cette partie de l'Afrique ne fasse pas partie de l'Afrique noire, de l'Afrique d'une manière générale, eh bien, je ne peux pas accepter que hein, l'Occident soit à deux pas hein, de la frontière du Mali. Voilà. Je ne l'accepte pas. Je n'accepte pas que l'OTAN vienne bombarder un pays et construise un régime fantoche hein, à deux pas hein, de ma maison. Voilà. C'est pour ces raisons-là qu'on parle, que je parle. Il ne s'agit pas d'avoir du sentiment. C'est dramatique, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on a toujours utilisé un certain nombre d'Africains et un certain nombre d'Arabes contre leur propre peuple. C'est assez extraordinaire. Tel que les Occidentaux, ils ont les pires criminels au monde. Tel les George Bush, les Tony Blair, les Sarkozy, les De Gaulle qui étaient. De Gaulle est un grand criminel. De Gaulle représente pour la France un héros. Pour nous, Africains, c'est un criminel. Il a bombardé, il a tué tous nos leaders. Lors du combat pour. C'est pour ça qu'il fallait se battre contre De Gaulle. Non, je termine, s'il vous plaît. C'est-à-dire que, je veux dire que, pendant longtemps, ou bien de tout temps, on a utilisé des Africains pour abattre les Africains. Voilà. Et aujourd'hui, le cas le plus. Et ça fait mal au cœur, c'est de voir combien hein, la Libye qui a été construite, hein, pierre par pierre, ces 42 dernières années, a été totalement rasée parce que. Quelques aficionados de l'OTAN veulent devenir veulent représenter le pouvoir colonial hein, et sur le plan local.